Salut YouTube. Yo. Attendez, je bois pour Crystal et je bois pour. Pour je sais plus qui. Pour Jenga, je crois. Allez, je vais voir là-haut. Je m'étire un peu. Voilà. Avec le dos droit. Yep. T'as une bague? Ouais, je l'ai la bague. Malheureusement. Je l'ai. Elle est déjà équipée. Tu peux le voir au petit point vert là-haut, là, sous mes arts de la fable. Donc là, hop, on a récupéré ça. Ouais, pas évident. En fait, la P2, j'ai l'impression que elle a pas beaucoup d'attaques, mais que genre elle les enchaîne très très vite. Comme à mon avis, il faut les gérer bien. Donc acheter. C'est ça là. Pirasou augmente l'endurance max pendant une durée déterminée. On va en prendre 5. Ouais, ça après c'est pété, hein. Le truc pour les spectres et tout. Ah, on peut acheter des trucs de météorites. J'avais pas vu ça. Ok, cool. Non, non, t'inquiète, Margin, y a pas de souci. Je pense que ce qui serait cool, je vais aller regarder parce que je crois que j'ai un quartz. Je vais aller regarder si j'ai pas un truc qui m'améliore, vous savez, soit les dégâts, soit le stun, soit quelque chose. Il me semble que j'ai chopé un quartz là tout à l'heure. Hein. On va tester. Ce serait cool d'avoir ce qu'il faut pour augmenter la durée de stupéfaction et tout. Ah, j'ai 2 quartz, putain, énorme. Donc je peux améliorer ça au max. Durée d'opportunité de stupéfaction augmentée. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, on va augmenter la vitesse de récupération de la durabilité d'armes de la futeuse. D'accord. Charge la fable lorsque la garde parfaite est réussie. Pas mal, ça aussi, hein. Réduit la consommation d'endurance des attaques chargées. Oh putain, mais cash! Cash! Je fais que ça, des attaques chargées. Et là, après, qu'est-ce qu'on a qui pourrait m'aider? Augmente la durée de l'effet des consommables aux effets prolongés. Je comprends pas. Augmente la limite d'objets de G. Augmente la limite des consommables que vous pouvez posséder. Augmente la quantité maximale de fruits pièces d'or sur l'arbre pièces d'or. Augmente la durée de l'effet des consommables aux effets prolongés. C'est genre quoi? C'est les. C'est le truc parade parfaite et tout là? Ça, c'est pas un consommable, non? La pierre à aiguiser. Vous savez dans le chat ou pas si c'est si ça concerne la pierre à aiguiser? Sinon, je peux pas faire autre chose que ça. Enfin, ouais, j'ai 4 trucs donc. Bah, je le prends, allez, vas-y. Renforce l'effet des catalyseurs de sable, de fable. Je comprends pas du tout ce que ça veut dire. Charge partiellement la fable lorsque vous utilisez des accumulateurs de pulsation. Ah ça, c'est cheaté ça. C'est cheaté. C'est quand je me soigne, ça monte la fable. C'est quand l'arme est en feu, d'accord. Et donc là, j'ai eu la durée d'opportunité des stupéfactions augmentée là du coup. Bon, on va tenter comme ça du coup. Ok. Alors est-ce que j'ai des ergots à consommer pour level up. Malheureusement, il m'en manque un tout petit peu. 15 000, mince. Après, le truc des parades parfaites, je pense que c'est nickel pour le combat. Et est-ce que niveau poids, je suis bien ou pas du tout? Ouais, 78 en poids. Peut-être que ça, c'est débile d'avoir ça. Il faudrait peut-être un truc qui réduit les dégâts d'électricité. Mais ça, sont des charges électriques. Voilà. Par contre, c'est pas le meilleur. Hein. Je pense pas que ce soit le meilleur. Hein. Des bisous, Killark. Ciao, ciao. Bon après-midi à toi. Bon, déjà, j'ai ça qui me protège des charges électriques. Ça, j'ai pas l'impression que ça me fasse beaucoup plus de dégâts, quand même. Hein. L'amulette de bras divin. Hein. Augmente le taux de réduction des dégâts physiques. Ça, c'est pas mal aussi. Augmente la résistance à la fracture, à la disruption et au choc. qu'est-ce que j'ai? Augmente les dégâts infligés aux humains. Mobilité et technique plus 3. Restaure continuellement les PV. Ça, c'est pas mal. Hein. Mais c'est trop lent, je crois. Réduit la consommation de durabilité d'armes. Augmente la légion max, l'endu max. Augmente les PV max. Fais voir l'endu max, si ça passe à beaucoup. Là, je suis à combien, admettons? Endu 173.
190. On peut tester comme ça. Hein. Disons que je fais pas plus de dégâts sur les mobs. Alors se téléporter au Stargazer, putain franchement c'est chaud. Hein. Il est dur le combat. Bon après j'y vais tout seul aussi. Hein. Je pense que ça serait plié en 2-3 tries avec le spectre à mon avis. Mais là j'y vais solo donc c'est pas évident. Ouais. Allez, une musique pour se motiver. C'est parti. Abonne-toi. Ce qui me saoule c'est que j'ai pas assez d'ergo pour level up. C'est un peu con. Bon j'ai mon cube. Ah merde, j'ai pas mis le bon truc sur le cube. Bon c'est pas grave. Allez, on va voir ce que ça donne du coup niveau... Accumulateur de pulsations et compagnie. Onze, douze et treize. Fait chier. Qui pense que je peux l'avoir? Pas évident. Mais combien que je stream 4 heures? Ah ouais. Qui pense que je peux pas l'avoir? J'ai oublié mon cube! Cube de tes morts! Cube de tes morts! Ça me redonne de la fable. Ah, vas-y dans le dos. Ah, ça me donne de la fable. Quoi essayer, hein? Je suis vraiment quoi essayer. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je peux tout parer apparemment. Okay.
Putain, c'est con. Putain, c'est con. Non, je vais pas manger. Un homme peut vivre 30 jours sans manger, mais seulement 3 jours sans boire. Avec ça, je l'ai! Go! Totalement faux. Allez, c'est bon! Je cheese! Si je fais des contre-attaques, fais voir. Admettons, j'essaye. Pour voir. Je tente. Ah, là, c'est raté. Complètement raté. Pourquoi j'arrive pas à faire des contre-attaques? Oh, vas-y! 10 jours! Putain! Jour, c'est long. Ah, je sais ce que j'ai oublié, c'est le cube. Mais oui, faut que j'aille changer mon cube. Non, mais je ferai pas de pause, je ferai pas de pause. Voilà, je ferai pas de pause. On est en 2001, les amis. On est en 2001. Là, je suis dedans, en fait. Si je fais une pause, je vais tout perdre. C'est le problème. C'est souvent le problème. Ah ouais, dis donc. Attendez, le cube. On va mettre ça. Voilà, un truc d'endu. Seulement 18? Ça fait que 18 rails? C'est vrai? C'est tout? Je pensais que c'était beaucoup plus. Oh vas-y, normalement quand t'es devant, tu prends rien. L'enchaînement que je viens de lui mettre là. Ok, karma instant. Ah, oh, vas-y, je me protégeais. Ah ouais, c'est le passage de la P1 à la P2 qui fait cet effet. Ah bah du coup, je pensais que j'avais vraiment échoué beaucoup de fois. Genre vraiment beaucoup. C'est vraiment un boss qui est complexe. C'est vraiment un boss qui est compliqué. Mais c'est un plaisir de le faire, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est dingue. Attendez, ça fait quoi si je mets de l'acide sur ça, en début de game? Parce que lui, j'arrive à la toucher. On a de l'acidité sur elle ou pas là? Oh
Ah, vas-y. Je refais. Ah, vas-y. Super efficace l'acide. Ah oui, d'accord. Regardez. Ah ouais. Sans la stun. On est mort en même temps. Ouais, après farmer, moi j'ai pas l'impression que ça me fasse monter beaucoup les dégâts quand même Darkfire pour le coup. En même temps on est mort. Eh, hey, l'acide ça marche trop bien. Et où est-ce qu'on peut acheter des accumulateurs d'acide? C'est auprès de Puccinella. Je vais en acheter 10 000. Je vais en acheter 10 000, ça marche trop bien. Oh mais oui, mais là, on va le chase. On va le chase. T'arrives, tu fais enchaînement, 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 acidité, tu continues de le défoncer. Au bout d'un moment, il perd sa garde, il perd sa stupéfaction, c'est flip-flick, et tu le décloses. Voilà, bien sachez parler, c'est primordial. Allez, let's go, putain, temps de chargement de ses morts. On est sur PS5, dans un PC. Alors merde. No matter what, sir, welcome. Acheter. C'est ça que je veux, c'est ça. J'en prends 12. Ouais, on était mort en même temps, je crois. Ah, il y a le réceptacle cryptique aussi de Vénienier. Les objets cartouches aussi, tu sais. Ça lui fait stupéfaction. C'est quoi cartouche? Salut Stemix. Ah, moi aussi j'ai préco sur Steam. Attends, objet cartouche. Ah oui, j'avais le cube aussi, je suis bête. Grenade sous munition. Bonbonne d'acide. Vas-y, je prends des grenades, on va voir. Allez, vas-y. Bon, j'y vais du coup avec ceci. Voilà, vas-y, viens. Vas-y. Lord of the Fallen, moi hier j'ai regardé sur YouTube une vidéo de gameplay d'un quart d'heure et tout là du studio, c'est abusé. Le jeu est trop beau, le jeu est magnifique. Alors je sais pas s'il n'y a pas d'ATH ou si c'est eux qui voulaient pas montrer l'ATH, mais en gros il y avait des graphismes de malade, mais de malade. C'est trop bien fait, c'est un truc de fou furieux. Bon, ça marche très très bien hein, ce truc d'acide là, waouh. Ça lui fait pas du bien l'acide. Vous avez vu ça, Lévi? Est-ce que c'est pareil pour la P2, l'acide ou pas? Elle m'attaque. Sauf que c'est pas les mêmes dégâts. Oh, vas-y, je me protégeais. Ouais, c'est pareil.
Ok. L'énervement maximal de ce mob est absolument insane. Je garde un max, je vais faire Y. Oh putain! Oh putain! L'univers est ton allié. Je vais l'avoir. L'acide et tout là, c'est trop bien. C'est trop bien. Comment je fais pour avoir des ergots rapidement? Putain de merde! Ah ouais, le sous-munition, c'est dément. Il y a un vendeur, non, qui vend ça, là? Est-ce qu'il y a un vendeur qui vend ça quelque part? Combien j'en ai déjà dans mon inventaire? Admettons. J'en ai zéro. C'est qui vend ça? C'est à l'hôtel ou c'est le mec de Malen? Je vais aller voir à l'hôtel. Ouais, je sais que je peux la stun avec un poids, mais je crois que j'ai pas de poids, mais mort. T'as paniqué, ouais, j'ai paniqué. Ah ouais, bah d'accord, ok, bah du coup c'est à madame. Je vais juste filer le... On va voir à la foire fouille. Go foire fouille. Non, je vais pas filer le truc à Vénini, je vais la voir là. Alors se téléporter du coup, on va au chapitre 5. C'est la mairie de madame. Par contre, j'ai pas d'ergo. Il va falloir que je farme de l'ergo là un peu, non? J'ai compté la mort ou pas? Je crois pas. Attendez, je la compte, on sait jamais. Ah oui, merde, je me suis TP au mauvais. Merde. C'était TP au mauvais. Parce que j'avais pas l'habitude d'avoir battu ce boss. On va aller voir. S'il y avait des consommables à lancer d'acide, ce serait extraordinaire aussi. Mais pas ceux qui se mettent par terre, vous savez, ceux qu'on peut lancer dessus. Franchement, si j'y arrive tout seul sans le spectre, je serais trop heureux. Je vous jure. Ouais, ça, je le connais, ce vendeur. Par contre, j'ai pas assez d'ergo. Donc, je vais voir ce que je peux lui vendre. Ça serait cool que ce soit gratuit. Alors, voyons voir ce qu'il vend. Ouais, il vend ce qu'il faut. Hein. Il vend ce qu'il faut. Il vend ça, là, les grenades à sous-munitions. Et du coup, il vend aussi des poids. Oh, chouette. Donc, attendez, on va voir ce que je peux lui vendre. Est-ce que je peux lui vendre des trucs que j'utilise pas? Ça... Putain, ouais. J'aurais bien vendu des trucs que j'utilise pas trop, mais malheureusement, je crois que je vais devoir aller farmer. Genre ça, là. Objet carcasse. Là, c'est de l'acide. Ah, d'accord. Bon, ça va aller vite après si je fais ça. C'est con parce que mes 15 000 ergots, du coup, j'aurais pu les utiliser aussi pour ça, quoi. Mais les trucs d'acide marchent bien, donc bon, en soi. Regardez, l'attaque chargée. Raté total. Yeah.
Voilà. Il n'y a qu'une seule démo de gameplay de Lord of the Fallen. Mais c'est pas plus mal, parce que tu vois, moi, j'ai toujours craint le marketing. Tu vois, pour moi, un jeu où on en montre trop avant que le jeu sorte, c'est un mauvais jeu. Tu vois, c'est souvent des mauvais jeux. Voilà. Donc moi, pour moi, Lord of the Fallen, il reste discret. Pour l'instant, en tout cas. Mais à mon avis, il sera bon. Je pense que ça sera un bon jeu. Hogwarts Legacy, voilà. Hogwarts Legacy, coucou. Assassin's Creed Valhalla, coucou. Far Cry 6, coucou. Oh, le pire. Merde, attends. Watch Dogs Legion, coucou. Donc pour moi, en gros, bah, moins de temps on voit, mieux c'est. Bon, ça va, ça farm vite, là. Allez hop, je vais voir ce que je peux acheter du coup. C'est vrai que pour la P3, enfin pour la P2, pardon, j'aimerais bien avoir assez de pots pour pouvoir tester au moins 5 ou 6 fois, vous voyez. Alors acheter, voyons voir du coup ça. On prend la max. Voilà. Attends, c'est quoi sinon que j'ai d'autre comme consommable? J'ai quoi? 5 comme ça. Bouteille de fluide corporel de carcasse. Ça, ça fait de l'acide, c'est ça? Ah mais putain, mais attends, mais c'est cheaté ça, non? Mais attends, mais je vais mettre ça aussi. J'en ai plein. Ah ouais. Et attends, je vais acheter un poids. Ah merde, je me suis pas reposé. C'est vrai que Hogwarts Legacy, ça a duré une semaine. Hein. Il y a Starfield aussi. Il y a eu un peu ça aussi. Ouais, l'annonce de GTA 6. Alors, ça n'a pas du tout été confirmé hein, que c'était le 26 octobre. Hein. Enfin, tout le monde parle de cette date, mais c'est pas... Enfin, Rockstar l'a pas confirmé. Hein. Attention. Ça va tellement vite pour farmer là, à cet endroit. Mais franchement, si c'est annoncé le 26 octobre, on sera heureux. Nous serons heureux. Je pense que je peux y arriver avec tout ce que j'ai là. Mais bon, voilà, hein, je pense qu'avec le spectre, ça aurait été tellement plus rapide. Genre vraiment. Vraiment, vraiment. Et voilà. Oui, c'est quasi sûr, c'est quasi sûr, ouais. Et vous avez vu, hier, ils ont posté une photo de GTA V avec le V et le I de Vice, de Vinewood, je crois. En arrière-plan, on voit le 6 comme si c'était le 6 de GTA, quoi. Le monde va s'arrêter. Hein. Quand GTA va être présenté. Allez hop, on est pas mal là. Je vais faire cela. Voilà. Ouais, avec l'homme et la femme, ouais. Ouais, ouais, justement. Avec le gars et la fille, où du coup, on avait eu des leaks il y a quelques temps sur le fait qu'il y aurait un personnage gars et un personnage fille. Donc, ouais. Moi, je regarde beaucoup les informations de Chris, de Rockstar Mag, vous savez. Parce que lui, en fait, il donne vraiment des bonnes infos, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des mecs qui vont aller te servir de la merde pour aller faire du clic et puis faire des vues. Voilà. Quand je dis ça, je pense aux spécialistes information Rockstar. Hein. Ceux qui sont soi-disant spécialisés Rockstar, hein. Attention. Voilà. Je vais monter ma fable aussi. Je vais monter ma fable pour avoir 3 jauges de fable au départ. Comme ça, je vais pouvoir défoncer la partie 1 de laxatif micro-laxé. Waouh ! La destruction ! Destruction ! Allez hop, meurs. Meurs! Voilà.
Ouais, je pense qu'il est sûr comme gars, le Chris. Donc Lies of P tombe dans le néant, dans Lord of the Fallen. Oui, exactement. Mais de toute façon, on a fini le jeu après, Makuta. On a fini le jeu, donc bon. Enfin, il va pas tomber dans l'oubli, mais en gros, je vais faire... Comment dire, je vais faire autre chose, quoi, après. Bon, je prends 3 poids, le reste de grenades comme ça, 5. Et puis si jamais on en a besoin, on reviendra, d'accord? Ouais, je me suis trompé, pardon. 13 octobre pour Lord of the Fallen, ouais. Et je serai en live toute la journée. Voilà, j'ai posé un jour de congé exprès pour pouvoir vous streamer Lord of the Fallen du début de journée à la fin de journée. C'est une honte! Attends, mes couilles en kit, un bruit de bisous sur ta femme. Moi, ce que j'attends de Lord of the Fallen, c'est de pouvoir retrouver la liberté de changer de build à loisir. Voilà. Donc, je veux faire un mage, je fais un mec force, débloquer des objets pour ma New Game Plus 1. Je voudrais cette liberté que les From Software offrent. Voilà. Donc là, j'arrive, je mets de l'acide, je balance après des sauts d'acide, comme celui-là, sur le mob. Enfin, en gros, de l'acidité partout, quoi. Acidité partout. Le stream, je sais pas. En fait, ça dépendra de l'heure à laquelle le jeu est dispo. Vous voyez ? Je les cancel. Elle a un petit dégât. Ah, je l'atomise là. C'est de l'atomisation, comme tu dis. J'ai pas mis les poids. Oh putain. C'est good. J'allais tellement pas rester là-dedans. Mais tellement pas. J'avais pas les poids, putain, j'avais pas les poids. Spoiler. Non, non. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pareil que tout à l'heure. Sauf que, ici, on met les poids, putain. Voilà. Putain, j'avais oublié de mettre les poids. Quel cake! Allez, c'est la bonne! C'est la bonne.
Oh non, quand on est devant, normalement, on n'a pas de dégâts. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, je vais garder les objets pour la P2. C'est ce pourquoi j'étais parti, là. En fait, ce que je vais juste faire, c'est mettre l'acide au début de la P1. C'est tout. Voilà. C'est tout. Et je voudrais le cheese. Avec ça. Voilà, là, c'est good. Putain, je peux l'attaquer pendant qu'il fait ça. Ah, il aime pas l'acide. Le boss. C'est ouf. Hein. C'est la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne. On y croit. On va mettre du coup l'ulti dès qu'elle saute. C'est bon. On la vise. On va lui faire un Y dès qu'on peut. C'était bien, ouais. Le problème, c'était mes vies qui remontaient pas, ça remontait pas, ça remontait pas. Je tapais pas. Voilà. Je comprends pas pourquoi le poil a pas. Ah, c'est cruel. Putain, un putain de PV, quoi. Combien j'ai là ? 1, 2, 3 et 1 et plus de poids. Merde. Ah, chier. Ah, mon dieu, que c'est dur, ouais.
Ouais, dommage, dommage. Franchement. L'attaque sautée, faut courir et faire RE2. Ah, j'ai esquivé. Putain, j'ai paré même, j'ai même paré. J'ai une idée. Putain, j'ai une idée de ouf. Vous allez voir ça. J'ai une idée de malade. Regardez ça. Parti. Ouais, je vais y arriver. Ouais, j'étais dedans. Chier. Tu t'éloignes trop, en fait, elle essaye de te faire l'attaque rouge. Et ce combo là.
cool ça. Ok, je vais essayer mon truc. En gros, ce que je veux faire, c'est lui faire le truc de la parade parfaite. Mince, j'ai pris un soin. Quel cake. Ah, j'ai paniqué. Vas-y. Ouais, j'ai plus de consommables, ça me saoule. Non, c'est pas le dernier boss, non. Apparemment. Tout le monde me dit que c'est l'avant-dernier. Ah ouais, c'est vrai qu'avec les quartz, je peux avoir une deuxième pierre aiguisée. Ouais, mais je veux pas faire ça maintenant. Franchement. Qui ça, Crystal? Ah oui, le boss. Le boss, ouais. Pas évident, ouais. J'ai utilisé mes 12 trucs d'acide là. Je crois. Comme beaucoup de meufs. Mais bon, en vrai, tu vas être rodé pour le boss de fin. Franchement, je trouve que j'ai bien évolué. Salut Ribo. Vas-y, contribue au stress. Devrait baisser. C'est vrai que à chaque fois, ça me le fait. Quand je fais un boss et qu'il n'y a pas de musique, j'y arrive tellement mieux. Je peux essayer. Ah, madame, elle est pas là le dimanche, ouais. Elle est pas là le dimanche. Bon, je pense que je vais finir le boss. Au moins déjà ça. Les clés de 12, bonjour, pardon. C'est vrai que je t'ai pas dit bonjour. Ouais, j'ai fini Bloodborne avec les DLC, ouais. Il y a mes let's play sur ma chaîne YouTube. Si jamais tu veux aller voir. Tu peux aller voir. Alors, sinon, il y a un bras qui fait de l'acide aussi ou pas? Est-ce qu'il y a un bras qui fait de l'acide? Oui, il y a un bras qui balance de l'acide, c'est vrai. Tous les dimanches, ouais. Tous les dimanches. Ah, mais la musique, de toute façon, c'est vrai que, comme tu dis, ça contribue à faire stresser, quoi. On va mourir, là, quand même. Il n'y a pas moyen d'avoir des runes plus rapidement, enfin des ergots plus vite là, j'avoue. Ludwig, incroyable. Hein. Ludwig, je crois que je l'avais eu first try, il me semble. First ou second try. Ouais, je peux peut-être mute pour le combat. Allez, c'est good. J'ai pas mal, là. Ouais, j'ai 3004. T'as passé combien de temps sur ce jeu Game Pass? Bah, si tu comptes pas les guides, j'ai passé 35 heures, je crois, sur ma partie, mes couilles en kit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le talisman pour avoir plus d'ergo. Je l'ai, en plus. J'ai pas envie de le changer, j'ai la flemme.
Il faut aussi que j'achète des malheureusement des trucs d'acide là. La bouteille de fluide corporel. Hey, pas mal. Bon, du coup, ce qui marche bien, ce sont les bouteilles de fluide corporel, les petites grenades aussi. Ça marche plutôt très bien. Voyons voir ce qu'ils vendent. Ouais, ça marche bien, là. Ça marche nickel. Et les accumulateurs à lancer, ça marche ou pas? Il aime l'électricité. Il doit l'aimer, puisqu'il a une épée électrique et qu'elle est électrique. Donc, il doit s'en battre les steaks, à mon avis. Bon, je vais en prendre 6 comme ça. Et après, je vais prendre ça aussi, tiens. Voilà, 3 comme ça. Je ne veux pas savoir lequel. Ok, donc ça, c'est good. J'ai 3 et 5. Et après, bah, du coup, il me faut des ergots pour pouvoir acheter des... comment dirais-je? Pour pouvoir acheter des aiguiseurs d'acide. On peut l'acheter, l'aiguiseur d'acide, ou pas? Il y est, non, il doit y être, non, chez Puccinella. Les accumulateurs lancés, ça fait pas mal de dégâts. Après, vu que c'est des bombes électriques, à mon avis, ils sont un peu immunes contre. C'est possible, mais mort le DJ. Ah mais non, de toute façon, je suis obligé de garder le truc de la parade parfaite. Je suis bête. Hop. Ouais, je suis obligé de garder le truc de la parade parfaite, je suis bête. À l'italienne de l'hôtel. Terre, fragment radieux, voyons voir, parce que je farme depuis tout à l'heure quand même, mais du coup je peux utiliser peut-être ça. Ah. Voilà, 3000 à nouveau, ça me fait deux trucs pour aiguiser. C'est cher les trucs pour aiguiser pour le coup, ça c'est cher. Attendez, je vais peut-être mettre le talisman, on va voir la différence. Hop. Alors c'est pas là, c'est là. À la place de celui de l'endu, d'accord. C'est lequel pour qui redonne plus d'ergo? C'est celui-là, non? Taux d'ergo à la mort et à l'élimination d'ennemis. Donc c'est à la place de celui qui fait remonter l'endu rapidement. Et j'avoue que j'ai oublié de mettre mon cube qui fait remonter l'endu rapidement aussi pendant toutes les parties. Et merci à le prof de maths! Merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Allez, je vais aller racheter des trucs, du coup, à l'hôtel Krat. Hop. Ouais, je gagne un peu plus d'ergo. Bon, c'est pas la folie, quand même. Quand même pas la folie. Ah, si, quand même. Attendez. Au lieu de 90, je gagne 140. C'est énorme. Mais c'est énorme. C'est moi. Allez, attaque chargée. J'adore. Franchement, de les exploser comme ça, mais le plaisir, quoi. Allez, hop. Je retourne à l'hôtel, je vais acheter les aiguiseurs d'acidity. Ok. Et puis ensuite, ben, on y retourne. En gros, ouais, c'est 7 minutes de farm, à peu près 7 à 10 minutes de farm pour, ben, pour faire 4 ou 5 tries intéressants. Tu joues un peu, toi, le prof de maths 974 à Lies of Pi ou pas du tout? Ouais, le farm d'Argo, c'est pas épais, hein. C'est pas la folie, je suis d'accord. Alors, acheter, du coup, moi, c'est ça. Alors, j'en ai pris 3. Et du coup, bah, écoutez, on y retourne. Tu l'as fini, grâce au patch, d'accord. Parce qu'apparemment, ouais, il était vénère, le boss de fin, avec le patch. Sans le patch, pardon. Ben moi, j'arrive à la fin, là. Je pense qu'avec le spectre, j'y suis en un try. Là, à l'heure actuelle, où je connais bien le pattern et tout. Ok, je garde mes objets pour la suite. Ouais, j'ai ça aussi. Ok. Je garde mes objets, je garde tout pour la P2.
Y compris le truc d'acide, à mon avis. Je sais pas. Ah, j'ai oublié de remettre le talisman. J'ai pas pris de dégâts. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Vas-y, je me fais tuer. C'était un choix. J'avais pas le bon talisman, donc mon Andu, c'était mort, là. C'était mort de chez mort. Je vais juste essayer d'utiliser mon cube au tout début. Cube au début. Cube au début. Pas évident, hein. Ouais, il bloque les attaques de femme, il faut que je sois à distance en fait. Saligo. Attendez, je fais remonter mon endu pour voir. Merde, j'ai pris un soin. Quel débile. Je le trouve beaucoup plus énervé que tout à l'heure. Là, comme ça, le Y, regardez. Allez, boule! Salut, c'est quoi ce boss? Je suis au monstre vert débarré, je galère. Bon courage, Boubouillon Fraise, pour la suite. Ouais, le boss démarré, il est très très compliqué. Et ça, c'est l'avant-dernier boss du jeu, vraisemblablement. Boubouillon. Incroyable ce pseudo. Bienvenue. Ouais, n'hésitez pas à follow si ça vous plaît, même si vous voyez que j'en chie. Vous pouvez, hein. N'ayez pas peur. Allez hop! À côté, ça marche. On peut lui en faire une troisième. Ensuite, il est énervé. Plus devant, je vais me prendre le coup. Même pas, heureusement. Je lui fais un petit coup. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ça a été paré parfaitement. Gourmand. Ah, je suis mort! En un coup d'épée? Il s'est passé quoi? Je suis mort en un seul coup d'épée? C'est pas normal? Pas normal? Moi, ouais, je vais être obligé de remettre de l'acide sur ma putain d'épée. Voilà. New Game Plus, j'aimerais faire un New Game Plus, ouais, en run. Vous savez. Dégâts élémentaires. J'aimerais beaucoup. J'aurais dû garder mon Y. Punition, ouais, là, franchement. Putain, je commence à perdre espoir. Je farm objectif 7549900 ergo. C'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup, hein, Boubouillon. En plus, j'ai plus que deux trucs acides et tout, là. Ça m'angoisse. Salut, Jet!
Ouais, je galère un peu, mais j'ai pas fait énormément de try quand même. En fait, les dégâts avec l'acide, c'est du simple au double. Là, je dois être à plus que 30 quand même. Je pense. En vrai, ça fait rager parce que l'acide, en vrai, c'est trop cher à acheter. Vraiment trop cher à acheter. Ça va. Ouais, je peux invoquer, après je sais que je l'aurai du premier coup quoi. Toujours plus de tankage. Plus tendu. Vas-y un coup. Putain. Plus d'indu. C'est fait. C'est fait. Merci. Tu peux garder, tu peux utiliser une moitié. Boubouillon. Merci pour les GG. Magnifique. Magnifique. Putain de boss de ces morts, ergo de fanatique triste. Oh putain, bien joué, ouais. Bah dis donc, qu'est-ce que c'était dur. Ouah, qu'est-ce que c'était dur. Regardez, j'ai plus rien. Ah si, il me restait un soin. Il me restait un soin, je crois que j'ai gagné même à la fin. Ouais, extrêmement hard. Vraiment, à la dureur. Pour dureté. Easy, quoi. Easy, first try. Incroyable, first try. Merci à tous pour vos GG, merci beaucoup. Oh là là.
C'est qui avait dit que si j'arrivais sans boss, sans spectre, il ferait 57? Non, c'est pas vrai ça. N'hésitez pas à follow si ça vous plaît. Mais je sais pas. Boubouillon fraise, je sais pas du tout. Oh la vache! Avec 2 PV quoi. Sauvegarde! Oh putain! Très très dur, hein. Très 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 dur. Je pense que je vais aller acheter des consommables avec les ergots qui me restent pour le... Bah là, je pense que là, c'est le boss de fin. Là-haut, ça doit être Simon. Merci à Jedi du Nord pour le follow. Merci beaucoup. Bien joué parce que t'as rien lâché. Merci B35. Merci beaucoup. C'était moi, mais en first try. Du coup, j'ai économisé 225€ MDR. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Majin Seb, pour le resub. Incroyable, merci beaucoup pour ton e-sub. Abonne-toi. Elle fatiguée, elle aussi, ouais, j'avoue. Bon, bah des bisous YouTube, j'espère que ça vous a plu. Bisous YouTube, pouce bleu, abonnement. Ciao, ciao YouTube. Des bisous.